ب900 مشارك انطلقت فعاليات المؤتمر 24 للجمعية الجزائرية لدراسة أمراض السكري، فالدراسة الجديدة حذرت من خطورة انتشار داء السكري بعدما بلغ عدد المصابين في الجزائر حوالي 4 ملايين شخص. اليوم رانا في 24 يعني لو 24 كونغري تاع لا سوسيتي الجيريان دو ديابيتولوجي، يعني عندنا اكثر من 900 مشارك. مختصون في الطب الداخلي، أمراض السكري والغدد وأطباء عامون شاركوا في المؤتمر بهدف تبادل المعارف والخبرات والتعرف على أحدث التكنولوجيات. L'objectif de ma présence ici en tant que président donc de la société donc algérienne médecine générale, c'est bien sûr c'est pour montrer un peu que le médecin généraliste c'est le premier disant la première étape de suivi non seulement du diabète mais de pratiquement de la plupart des maladies. J'aimerais bien que tous les praticiens, tous les médecins les omnipraticiens bénéficient des formations parce que comme vous savez la médecine elle évolue, chaque jour il y a quelque chose de nouveau, il ne faut pas rester avec les connaissances des années 80. Et c'est un moment très important de participation et on collabore avec les professionnels de santé qui prennent en charge les patients diabétiques algériens. Il faut savoir qu'en Algérie, le diabète est un enjeu de santé publique majeur. Vous avez près de 4 millions de patients diabétiques en Algérie. المؤتمر 24 للجمعية الجزائرية لدراسة أمراض السكري فرصة ستمكن الأطباء ومهني المجال لتحديث معارفهم بآخر الابتكارات وأحدث التكنولوجيات.